Hey, what's up les potes? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel comment améliorer l'arc électrique dans Der Eisenrache, donc la dernière map de zombies qui est sortie. Alors tout simplement, il faudra tout d'abord posséder l'arc. Je vous invite à aller voir la vidéo précédente pour cela. Et ensuite, il faudra activer le piège que vous avez vu directement à l'écran et tirer dans la girouette qui est sur le clocher pour tout simplement casser le mur et faire apparaître les flèches violettes. Voilà, vous allez voir, voilà, on va ramasser ces flèches violettes. Et en haut à gauche, vous pouvez voir directement un logo qui s'affiche. C'est la première étape de l'amélioration de l'arc électrique. Deuxième étape, il va falloir mettre le feu à 3 bûchers différents dans la map. Donc le premier est là-bas, hop, on reste appuyé sur R2 pour charger la flèche. Vous voyez, bam, le bûcher a pris feu. Le deuxième, on va remonter un petit peu plus haut directement dans le château. Il est juste ici, pareil, on reste appuyé sur R2. Je crois que c'est LB hein, sur Xbox. Voilà, vous mettez le feu et le dernier, donc là par contre on va se rendre directement à la pyramide, on va descendre un petit peu plus bas, il va falloir prendre le téléporteur qui est juste ici et vous allez voir qu'on n'a pas le choix, il va falloir allumer directement ce bûcher depuis la fusée tout en bas de la map. Voilà, donc on respawn ici, vous voyez qu'il y a une fusée et sur votre droite vous allez apercevoir le dernier bûcher qui est un petit peu plus haut dans la montagne. Voilà, et vous mettez le feu. Hop, attention de bien viser, vous avez pu voir et vous voyez que la première étape de l'amélioration, pardon, c'est validée en haut à gauche de votre écran. Voilà, la deuxième étape, elle consiste à tout simplement grimper sur des murs. Comment il faut faire? Il faut activer tout simplement l'apesanteur au niveau de la pyramide. Pour activer l'apesanteur, vous voyez qu'il y a des petites dalles bleues par terre. Il faut rester dessus pendant un certain temps pour pouvoir les activer toutes les quatre. Et une fois que cela sera fait, vous aurez au bout d'un certain temps une apesanteur qui va s'activer. Donc là, vous voyez, je suis en train d'attendre pour mon apesanteur. Vous voyez que j'ai déjà activé les 4 dalles bleues au sol. Voilà, et l'apesanteur est activé, vous voyez que tout devient bleu. Et là, tout simplement, on va courir sur les murs en hauteur. Il va falloir activer 5 logos. Donc là, je vous montre. Ok. Hop, et vous avez entendu le petit son, donc quand vous entendez ce son-là, ça sert à rien, vous pouvez retomber par terre et recommencer. Là, hop, j'ai activé le premier, le deuxième logo, et en fait, tout simplement, vous restez sur le même pan de mur. Tout simplement, il n'y a pas besoin de sauter, de changer de mur, vous restez sur le même pan de mur. Et là, vous allez voir que je vais activer le dernier logo. Hop, voilà, et ça a activé cette étape, vous pouvez voir la validation en haut à gauche de l'écran. Donc une fois qu'on a fait ça, il y a 3 petits pots électriques qui vont apparaître dans la map. Donc je vous montre directement les différents emplacements de ces 3 pots là. Et ensuite je vous explique ce qu'il va falloir faire. Alors le premier pot se trouve ici à droite du spawn, vous montez dans la petite tour. Vous allez voir voilà qu'il y a un petit pot électrique juste ici. Le deuxième va se situer un petit peu plus haut dans la map, donc dans ce donjon là. Vous voyez juste ici, on les voit plutôt bien hein. C'est vrai que avec l'électricité qui sort directement du pot, on les voit assez facilement. Et pour le troisième, même chose, on va prendre le téléporteur. Vous allez voir qu'il va être juste dans la zone de lancement de la fusée. Voilà, juste ici, derrière, on le voit également. Qu'est-ce qu'il va falloir faire avec ces 3 pots? Donc pour chacun de ces pots, on va tuer des zombies. Les âmes des zombies vont remplir tout simplement ces pots d'électricité. Voilà, donc on n'hésite pas, on allume avec la flèche. C'est vrai qu'on a pas mal de munitions, donc on peut quand même pas mal allumer avec la flèche. Vous voyez hein, d'ailleurs que j'ai fini de remplir mon pot. Donc une fois qu'il est rempli, je garde un zombie. Et là, vous appuyez sur R2 et vous chargez votre flèche d'électricité. C'est vraiment très important de ne pas lâcher le R2. Et vous visez le bûcher. Et le bûcher doit devenir électrique. Voilà, vous voyez bien qu'il est devenu électrique. On va faire la même chose pour les 2 autres bûchers. Donc pour les 2 autres pots. J'ai rempli l'âme de ce pot. Et je vais vous montrer comment, donc tout simplement le chemin que je prends pour aller activer le second bûcher d'électricité. Hop, on redescend et comme tout à l'heure, on va aller mettre le feu au bûcher qui est juste en face. Voilà, donc on vise bien. Vous inquiétez pas, si vous loupez votre flèche, il faudra tout simplement aller la recharger dans le pot. Voilà, et on va ensuite faire la dernière flèche. Hop, on l'a chargée. J'ai gardé un zombie, hein, à chaque fois, c'est vraiment plus facile. Et voilà, on active le dernier bûcher, voilà. Donc là, franchement, c'était l'étape la plus chiante hein, pour l'amélioration. Et là, on va atteindre la dernière étape. Donc tout simplement, on va venir faire carré ici. Vous savez, c'est l'endroit où on est venu chercher la première flèche électrique. On va attendre un petit peu. Vous voyez que l'électricité monte au sommet de la girouette. Une animation qui se fait, on va attendre un petit peu. Et là, vous allez voir qu'il y a des flèches violettes qui vont redescendre directement. Voilà, apparaître ici, c'est parti. Donc cette flèche, on va l'emmener tout simplement à côté de la pyramide.
Donc le chemin, je pense, voilà, après, c'est vrai que la map, c'est un petit peu compliqué au départ. Moi, j'ai quand même passé pas mal de temps aujourd'hui, donc je commence à bien la connaître. Et on va venir la mettre ici sur le logo électrique, voilà, dans le coffre électrique directement. Ça vous donne au passage des munitions max, donc voilà, c'est toujours bon à savoir. Et maintenant, tout simplement, il va falloir tuer des zombies pour remplir ce coffre de l'âme des zombies. Voilà, donc pareil, on n'hésite pas, on tire avec l'arc, on bombarde, on a ce qu'il faut de munitions. Et là, vraiment, c'est la dernière étape, on va pouvoir récupérer l'arc juste après. Voilà, donc vous voyez, j'ai fini de remplir, je vais quand même tuer les derniers zombies. Histoire de pas me faire coincer contre le coffre, hein. C'est vrai qu'il faut quand même viser un petit peu la sécurité, surtout qu'on est en solo. Essayez pas de se craquer, vous voyez. En plus, vous allez voir qu'à la fin, je crois qu'il y a des zombies, je les avais pas vus. Celui-là, je crois même qu'il y en a un deuxième. Hop, voilà, je le tue. Ça va être le dernier zombie. Et vous allez voir cette animation qui est vraiment magnifique pour faire sortir cet arc amélioré. Franchement, j'ai adoré, regardez-moi ça. Hop, et cet arc électrique qui sort de ce coffre, il est vraiment magnifique. Alors franchement, pour ceux qui ont joué à Origins, ça vaut largement les bâtons d'Origins. C'est la même chose, vous pouvez tirer une balle, ça va électrocuter quelques zombies, et sinon vous restez appuyé sur R2, et là c'est quasiment toute la vague qui va prendre l'électricité. Donc là vous voyez, j'avais tiré une balle, et là j'ai laissé charger ma flèche, regardez-moi ça. C'est vraiment super efficace, donc là moi je vais en plus avec l'apesanteur, les zombies sont vraiment pas très rapides, mais c'est vraiment super efficace. J'espère que ce tuto vous aura servi les potes, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, à partager, à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir pour le travail qui est donné. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, tchuss! Nicolas est une armée à lui tout seul.